tu comprends, Jean, c'est vraiment indispensable pour l'agence de décrocher ce contrat. Ouais. Mais on peut peut-être faire ça demain. Oui. Non, parce que en fait, tu sais comment ça se passe. Dès que tu mets un pied dans l'agence le matin, bon bah tout s'accélère. T'as vraiment le temps de rien faire. La journée passe très vite et puis voilà quoi. Bien sûr. Non, je préfère qu'on voit ça là calmement ce soir autour d'un verre. D'accord. Qu'est-ce que tu reprends? Rien, merci. Ah, moi je reprendrais bien une petite bière bien fraîche. Ah, bah, laisse, on occupe. Non, mais ah, non, ça va me faire du bien. Ça va me dégourdir les jambes puis ça m'aide à réfléchir. Ah, d'accord. Sers-moi une bière, s'il te plaît. Depuis quand t'aimes la bière, toi? Ah ben, j'aime pas la bière. Non, c'est pour Christian. Il veut absolument discuter autour d'un verre. Alors j'accélère le verre, si tu préfères. Oui, j'ai compris, t'es pressé de partir. Oui. Attends, t'as vu, il est presque 8h. Je pressais de retrouver ma tendre et douce, moi. Ah, je te comprends. Et puis dans l'état où elle doit être pressée de t'avoir pris. C'est pour quand? Quelques jours, une semaine au plus. Et c'est quoi? Ben c'est quoi? Un enfant, pas un ornithorynque. Oui, oui. Vous avez choisi le prénom? Non, pas encore. Bon, je suis pressé. Tiens. Merci. Et voilà la bière. Non. Je te remercie. Bon, allez. Voilà ce que notre futur client nous a confié. Ah. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ben, des storyboards. Que d'autres agences lui ont proposé, mais qu'il a tous refusé. Oui, voilà. Ça va être facile alors. Je sens que ça va être facile. Non, pas vraiment. Non. Sinon, je t'aurais pas demandé de me donner un coup de main ce soir. Tu sais bien que je ne t'appelle qu'en cas de coup dur. Merci, c'est toujours plaisir. Bien. Bah écoute, le mieux, c'est qu'on examine tout ça avant de proposer quoi que ce soit. Et qu'on essaie de comprendre pourquoi ça a été refusé. Hein? D'accord. Ouais. Il faut lire tout ça? Oui. Maintenant? Ah, ça sonne. Excuse-moi. Vas-y, commence. Allô? Oui? Ah, Marie-Jo. Oui, ma chérie. Oui. Non, c'est absolument impossible. Non, là, écoute, je suis en pleine réunion de travail, tu vois, et je ne peux pas, je... Hein? Tu fermes l'agence. Comment ça, tu fermes l'agence, tu... Oui, ça va, j'ai compris, comme ça j'aurai du temps de consacrer. Oui, d'accord, l'éternelle rengaine. Bon, bah, allez, oui, j'arrive. Non, mais j'arrive tout de suite, oui, tout de suite. Voilà, allez, à tout de suite. Bon, ben, écoute, excuse-moi, mais on verra ça plus tard. Hein? Un cas de force majeure, oui. J'allais m'y mettre, là, alors là, c'est dommage. Ah, bah, oui. Rien de grave, j'espère. Non, c'est Marie-Jo. C'est bien que la patience ne fait pas partie de ses grandes vertus. Ah oui, je sais. Hein? Oui. Bon. Fais gaffe à la bière quand même, hein? C'est mauvais. Allez, à demain. Salut. Il y a des jours comme ça où tout vous sourit. J'aurais mieux fait de jouer au loto, moi je suis dans un bon jour. Bon. Bonjour ou pas, au revoir. Salut Thierry. Alors ça y est, tu l'as expédié? Oui. Enfin, c'est plutôt Marie-Jo, mon sauveur. Marc, il a filé sans payer, celui-là. On n'est pas patron pour rien. Mais je te dois. Alors, ça fait 48. Ouais, 48 francs. 48 francs, quand même? Tiens. Et si je te rends une bière, c'était combien? Tiens, 48 francs. Jean? Anouk! Ah bah ça, alors? Quelle heure as-tu, Isa? Bah, 10h30. Ouais, comme moi. Qu'est-ce qu'il fait? T'inquiète pas, attends, il va arriver. Ouais, mais ça fait 2 heures que tu me dis ça, il est toujours pas là. Alors, bah, je sais, Jean, mais c'est pas en t'inquiétant que ça le fera venir, hein. Je sais. Mais bon, je pensais, vu la situation, tu sais, tout de même... Mais bon, je me fais des illusions. Tu sais, Jean, il suffit pas grand-chose pour que les hommes soient en retard. On dit que les femmes sont des pipelettes, mais eux, c'est pire. Ils peuvent traîner des heures devant un verre, c'est connu. Mais je sais ça. Mais bon, je pensais que là, vu la situation, tu vois, tout de même. Enfin, peut-être je me fais des illusions. Mais non, pas du tout. Tu sais, les hommes, ils peuvent vous oublier pendant des heures, même s'ils sont fous d'amour, à croire qu'ils ne pensent qu'à ce qu'ils ont sous le nez. Ouais. Ah, bah tu vois, le voilà. Attends, il sonne pour rentrer chez lui maintenant.
Ouais, bon, c'est vrai, c'est bizarre. Attends, je vais voir. Ah, David. Ah oui, non, je suis venue aussi vite que j'ai pu quand j'ai trouvé le message de Jean. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est Jean qui est pas rentré. Elle m'a appelé à 8h30. Je suis venue tout de suite et depuis, pas de nouvelles. La pauvre Jean est dans un état de nerfs. Dans son état, c'est pas malin, ça. Ah, je sais, mais que veux-tu qu'il y fasse? Elle peut pas faire autrement. Ah oui, t'as raison. Bon, allez, vas-y, rentre. Jean, c'est moi. Je sais, David, je te reconnais. Ah, ben, c'est Isa qui m'a dit pour Jean. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je suis désolée, j'aurais pas dû t'appeler et laisser un message comme ça chez toi, mais... Tu vois, sur le coup de 8h30, je me suis affolée et j'avais besoin de parler avec quelqu'un. Oh, t'as bien fait. Non, mais je regrette simplement de ne pas avoir été là. Mais tu sais, aujourd'hui, hein, c'est jeudi. Et puis le jeudi, je dîne chez maman. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Comment va ta mère? Oh, bah, très bien, en pleine forme. Je veux dire même, en pleine forme. Plus pénible que jamais, quoi, tu vois. Tu as quelle heure, toi? 10h35, tu dînes. Oui. Je comprends pas. Il a dû lui arriver quelque chose, c'est pas possible. Et sur son portable, vous avez essayé? Évidemment, c'est la première chose qu'on ait faite. Et chez Al? Oui, mais bon, Thierry, il a dit qu'il a vu sur le coup de 8 heures, mais après, il a plus revu. Mais il était bizarre. Hein, qui ça? Thierry. Pourquoi tu m'as pas dit ça tout à l'heure? Non, je sais, mais bon, tu sais comment il est. Bon, ça suffit qu'il a un client devant lui quand on l'appelle, et puis on n'est pas très bavard. Hé, au bureau, vous avez été au bureau? Ça répond pas. Puis j'ai appelé Christian, il est pas là, je lui laisse un message. Bah bon, voilà, ça y est, Christian, il avait Christian en dîne d'affaires. Ah bah oui, et puis il a oublié de te prévenir, c'est tout, faut pas se... Oh! Allô? Ah, Christian! merci de m'avoir appelé, oui, mais tu n'as pas vu Jean? Mais vous ne devriez pas travailler ensemble? Ah, et après, plus de nouvelles? D'accord. Non, je suis pas inquiet, mais bon. Bon, ok, merci. D'accord, ouais, salut. Et alors? Non, mais il a laissé chez Al à 8 heures. Après... Mais où peut-il être? Chez Al. Je vais chez elle parce que je sens qu'il y a quelque chose que Thierry m'a pas dit. Non, Jean, tu restes là, tu vas pas sortir toute seule à 7h. Allez, moi j'y vais. Ah non, c'est pas plus sérieux, moi je vais y aller. Voilà. Non, c'est... Si Thierry a quelque chose à me dire, c'est à moi qui va le raconter. Bon, ben, j'y vais, t'accompagne. Moi aussi. Thierry, écoute, c'est très important. Alors, il faut essayer de se venir. Mais j'essaie, Jean, mais il passe tellement de gens ici... Ah non, oui, mais bon, Jean n'est tout de même pas un client comme les autres. C'est vrai ce que tu dis, David. Bon, alors, il est parti à 8h et c'est tout ce que tu sais. Ah oui. Alors, ça veut dire que quelque chose est arrivé? Un accident? Non, c'est vrai, cette personne l'a vu depuis le début de soirée. Ça veut dire qu'il est peut-être à l'hôpital? Oui, il doit certainement à l'hôpital, au pire même. Ou peut-être pire, il est peut-être... Jean, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, elle accouche! Merde, dis pas de bêtises, elle est en train de tomber dans les pommes. Tiens, une chaise. T'es bête. Tu m'entends, Jean? Tu m'entends où? Oui, ça va mieux? Oui, ça va. Non, mais t'es sûre? Ça va? Tu vas pas coucher? Non, c'est bon. T'es sûre? Oui, ça va. Ça va, David, écoute, je sais quand même la différence entre un évanouissement et un accouchement. Enfin, tout de même. Ah oui, non. Non, parce que c'est vrai, t'as jamais accouché avant, alors. Isa, viens. Oui, qu'est-ce qui se passe? Faut que je te parle, juste. Bon, vas-y, je t'écoute. Voilà, c'est à propos de Jean. Je pouvais pas en parler devant Jean et David, mais en fait, j'ai pas tout dit. Mm-hmm. Alors voilà, je l'ai effectivement vu pour la dernière fois à 8 heures, mais il n'était pas seul. Oui, alors? Bien, à 8h05, il y a une femme qui est entrée ici. Elle est allée vers Jean. Elle avait l'air de le connaître, lui aussi avait l'air de la connaître, et puis 5 minutes après, ils sont partis ensemble. Wow. Jean avec une femme? Oh là là. Oh là là, Jean va mieux un petit peu, quoi, du moins, alors on va rentrer. Tu viens avec nous, Isa? Ouais, j'arrive. Dis-moi, chute, hein? Ouais, bien sûr. Oh là 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 là.
Voilà, Jean, tu devrais finir ta tasse de thé et puis ensuite aller te coucher. Me coucher? Me coucher? Sans nouvelles des gens, je pourrais pas me coucher. Bah écoute, tout au moins elle est allongée, pense au bébé un petit peu quand même. Je comprends pas, Il n'a pas pu se volatiliser quand même. Écoute, Jean, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire ce soir. On a appelé les hôpitaux, la police, ça veut dire qu'il lui a rien arrivé de grave. Bah oui. Tiens, ma grand-mère s'est fait arracher la jambe par un chauffard en sortant de boîte de nuit la dernière. Qu'est-ce que tu racontes? Ta grand-mère, elle est en boîte de nuit la dernière? Non, le chauffard. Ma grand-mère, elle sortait de chez moi. Hein? Bah, j'ai tout de suite été prévenu. Alors tu vois, si Jean avait une jambe en moins, t'aurais été prévenu alors qu'il est. Ah bah pour la mort, c'est plus rapide, hein. Oui, par exemple, tiens, si Jean s'était fait renverser par une voiture en sortant de son bureau, bah, il avait tous les papiers sur lui. Alors pour l'identification, hein, c'est plus simple. Là, la famille souvent est prévenue dans la demi-heure qui suit. Tiens, David, tu crois que ça c'est pour me rassurer, tout ça? Bah oui, non mais le seul truc, c'est l'incendie, hein, ou une explosion. Parce que là, c'est quoi? Je veux dire, tout ce qui concerne les accidents collectifs. Parce que quand il y a une dizaine de morts ou de blessés, c'est vrai que là, c'est un petit peu plus long, quoi. David! Qu'est-ce que tu racontes? Non mais c'est vrai, David, qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Regarde dans quel état tu la mets, avec tes histoires d'explosion, d'incendie, de corps déchiqueté. Ah mais j'ai jamais parlé de corps déchiqueté, moi. Non, tu as parlé d'explosion et tu m'excuseras, c'est la même chose. Il n'y a jamais une explosion sans corps déchiqueté, hein. Arrêtez! Arrêtez! Taisez-vous! C'est horrible! Arrêtez! Je crois qu'il faut faire attention parce que les femmes enceintes, c'est une sensibilité. Quelle heure est-il? Attends. 11h. 11h! Vous croyez qu'on peut mourir d'inquiétude? Oh, Jean, viens. Je sais ce que je vais faire, moi. Vous m'excuserez, mais j'en ai pour 2 minutes. Tu vas où? Je vais interroger mon répondeur. J'ai peut-être des messages. À tout à l'heure, hein. Oh là là là! Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça tu m'écoutes? Jean est dans un état lamentable. Alors maintenant, ça suffit. Tu vas tout me dire à propos de Jean et de cette fille. Attends, moi, tout ce que je savais, je l'ai dit. Je l'ai dit à Isa. C'est qui? Mais j'en sais rien, qui c'est? Comment elle s'appelle? Comment elle est? Je sais pas comment elle s'appelle et... Elle était plutôt pas mal, oui. Où est-ce qu'ils sont allés? Mais j'en sais rien, arrête de me harceler, Marcel. Écoute, maintenant, ça suffit. Hein? À qui tu vas faire croire que t'écoutes pas les conversations? À qui? Bon, calme-toi, Marcel. Jean est aussi mon amie. Et vous pensez bien que si je savais quoi que ce soit qui puisse la sortir de son angoisse, ben je vous le dirais à tous les deux. Ouais, remarque, c'est vrai. C'est... Hein? Attendez, regardez là. Bah quoi? La femme là. Quoi? Où là? Mais là. Ben y alors? Mais c'est elle. Jean est parti avec elle. Oh là 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 là. Bonsoir, mademoiselle. Garçon, s'il vous plaît. Mademoiselle, bonsoir. Écoutez, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, mais je suis à la recherche d'un ami. Je me suis dit que peut-être que vous pourriez m'aider. Écoutez, fichez-moi la paix. On me l'a déjà fait 10 fois, ce plan-là. Vous voulez que je vous dise? Je préfère encore la bonne vieille formule. Je vous ai pas déjà vu quelque part? C'est plus rapide et plus direct. Mais... Foutez-moi la paix! Garçon! Mais il est où, celui-là, maintenant? Ça suffit maintenant. On ne se connaît pas et je m'intéresse absolument pas à vous. Et mon ami non plus d'ailleurs. Pour qui vous vous prenez? Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai rien demandé. Je cherche juste le téléphone. Vous savez pas où se trouve le téléphone, vous? Mais on s'en fout du téléphone et c'est fini vos grands airs. Vous êtes venu ici tout à l'heure et vous êtes reparti avec un homme. Et nous on veut savoir où il est. Ah oui? Eh bien oui. Il est dans ma voiture et il m'attend. Bon, puisque c'est comme ça, je laisse tomber le téléphone moi. Marcel, elle a dit dans la voiture. Ah ben oui, t'as raison. Oh non! C'est pas la première fois.
Jean. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on lui raconte? On va rien lui dire. Bah attends, je sais que c'est délicat. Lui annoncer que son mari est parti avec une autre femme, c'est pas le genre de truc facile à dire, quoi. Quand je pense qu'en plus, ils nous ont filé sous le nez. Je sais que c'est énervant, mais de toute façon, on n'aura rien pu faire. En tout cas, je peux dire, j'aurais pas hésité à... David, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es là, Isa? Bah oui, t'en fais une tête. Non mais t'as vu l'heure, hein? Ça fait plus d'une demi-heure que tu as disparu. Oui, alors? Bah faut pas tout temps pour interroger ces messages sur son répondeur, même pour une carrière internationale. Ouais, je sais, mais j'ai rencontré Marcel et on est allé faire un petit tour. Quoi? Hein? Ta meilleure amie est au bord du gouffre et toi, tu l'abandonnes pour aller faire un petit tour avec Marcel? Mais attends, toi aussi t'es parti, hein? Ah non, mais moi c'est pas pareil, moi je m'inquiétais pour toi et pour elle. Oh, mais quelle soirée, quelle soirée. T'as raison, j'aurais jamais dû la laisser toute seule, jamais. Mais qu'est-ce qu'il fiche, l'ascenseur? Oh, Jean, pauvre Jean. J'aurais plus vite fait à pied, hein. Ça c'est... En tout cas, moi si je le vois, je le démolis, hein. Qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai dit, si je le vois, je le démolis. Tu parles de Jean? Ouais. Non mais attends, c'est ton meilleur ami. Et alors? Il y a quelque chose qui devrait pas être permise. Non mais attends, de qui tu te moques, là? Arrête! Il me semble que t'es pas un modèle de vertu, toi non plus, alors... Attends, ça a rien à voir. Tromper une femme quand elle a les moyens de se défendre. Mais là, c'est grave. Jean est enceinte. Quand même, il y a des limites à tout. Ouais, je sais. En tout cas, Marcel... Je veux pas que t'étais romantique à ce point. Marcel, qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais chez ta mère. Attends, c'est peut-être à moi de te poser ce genre de questions, non? Où étais-tu? Que faisais-tu? Écoute, bon, t'imagines pas ce genre de choses. Bref, c'est même pas la peine de te poser cette question, hein. Jennifer, attends une minute, tu fais fausse route, on va t'expliquer au moins. Je veux rien entendre, tu me dégoûtes. Mais, Jennifer... Non, moi je retourne chez maman. Mais attends. Marcel, Isa. David, mais qu'est-ce qui se passe encore? Bah, je sais pas, je comprends pas, je sais pas, je dois rêver. Allez, viens. Alors, je suis bien content de pas avoir rêvé. Maman, je me suis demandé si je devenais pas fou, moi, tiens. Ouais, parce que quelle surprise quand on est arrivé ici, qu'on vous a trouvé tous les trois cool dans le canapé, pendant que nous, on vous cherchait partout. Sympa, hein? Je suis désolée pour tout à l'heure. Je vous prenais pour... Enfin, je suis désolée. Bon, qui veut un peu de champagne? Moi. Ah bah tout le monde, quoi. Annick, tu peux pas se voir quand je suis contente de te revoir. Moi aussi. Ceci dit, j'aurais préféré que ça se passe autrement, hein, dans de meilleures conditions. Bah, c'est vrai que c'était un mauvais plan. Ah oui. Là, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait la peur de ma vie, vraiment. Et à nous aussi, mais comment vous avez fait pour vous débrouiller aussi mal? Ah bah ça, quand ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Pourtant, je pensais être dans un bon jour. Ah, pas dans une bonne soirée, en tout cas. J'ai rarement vu une telle succession de désastres. Hein. Attends, mais comment ça s'est passé exactement, raconte-moi. Bah exactement comme Anouk te l'a dit. Moi, je savais depuis une quinzaine de jours qu'elle devait rentrer du Brésil. Donc j'avais bloqué ma soirée et on devait se retrouver chez elle pour aller faire quelques courses ensemble. Comme ça, on serait revenu ici par surprise. Et on aurait fêté le retour de la belle cousine en faisant une soirée samba mémorable. Et en fait, de samba, Jean avait oublié les photos qu'il devait faire tirer pour notre petite soirée. Alors on a dû repasser à l'agence, déserte évidemment, et là... Et là, on est resté bloqué pendant 2 heures dans l'ascenseur. Ça, je sais pas combien de fois j'ai répété à Christian de faire réparer cette cochonnerie. Alors, j'ai voulu appeler sur mon portable, mais j'avais laissé dans la voiture. Forcément, ça devait être juste un aller-retour. Forcément. Enfin, on finit quand même par nous sortir de là. Et comme un bonheur n'arrive jamais tout seul, j'ai crevé. Alors, en avant pour le changement de roue. Oui, mais pourquoi vous n'en avez pas profité pour téléphoner à ce moment-là? Parce qu'il n'y avait plus de batterie sur le portable. Ah. Alors, j'ai voulu appeler d'une cabine téléphonique, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait une. Elle ne fonctionnait pas. Alors, on est repassé chez Al pour faire une dernière tentative. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors, vous imaginez un peu dans quel état d'esprit j'étais. Pas vraiment d'humeur à entendre le baratin de fêtard. Enfin, bref, je me suis dit qu'on avait aussi vite fait de foncer chez Jean. Ce qu'on a fait. Je vous l'ai dit, quand ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Ça c'est vrai, hein. Quand ça ne rigole pas, ça ne rigole pas. Ça me rappelle, vous voyez, le type qui avait invité des amis pour faire une fondue bourguignonne chez lui. Alors, on coupe pour la viande, tu vois, il se coupe le doigt. Alors, automatiquement, il va aux urgences, là, ça. Et puis, alors, aux urgences, quand il revient, du moins, et ben, le dîner est terminé. Alors, non, machinalement, bon, il jette son mégot de toilette dans la cuvette des toilettes, hein, des WC, où sa femme avait mis l'huile bouillante, et paf, d'un seul coup, quand il va là, paf, ça lui enflamme les fesses, alors. Il y a sa
Luc arrive, tout ça, et lui raconte l'histoire aux pompiers, et ils sont tellement écroulés de rire que il lâche là, comment ça s'appelle, la civière, quoi. Alors, non, c'est vrai, quand ça rigole pas, ça rigole pas, hein. C'est vraiment bête, hein. Je suis désolé que tu te sois inquiété. C'est pas grave, c'est parti de bonne intention. Ah, mais tout est bien qui finit bien, hein. Ouais, sauf pour Marcel. Il a été finir la nuit chez sa belle-mère. Pourquoi? Oh non, ce serait trop long.